Mifa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle ouverture de booster. Et cette fois-ci, on va changer de d'habitude. D'habitude, c'est des coffrets. Et là, je me suis procuré une TB Astre Radieux. Et oui, monsieur, je l'ai trouvé. Bon, j'ai eu du mal à le trouver, mais je l'ai trouvé. Voilà, c'est une TB, donc c'est pas... Ouais, c'est... J'ai eu du mal à la trouver. Voilà, bien joué, la langue française, c'est bon ça. Donc dedans, il y a 8 boosters, donc je pense que vous connaissez. Donc une TB, c'est une Elite Trainer Box. Donc en gros, c'est tout pour jouer, etc. Bah j'ai pris ça. De base, je voulais pas prendre cette série. Après, je me suis dit, je vais prendre un peu dans chaque série, parce qu'après, ça coûte extrêmement cher. Mais le problème, c'est que c'est dur à trouver des cartes Pokémon en ce moment. J'ai trouvé ça chez Micromania. Popopo, t'es mal le TB, comment elle est stylée. Et devinez quoi, c'est qu'il restait que ça. Ok, d'accord, donc j'ai pris le TB Astre Radieux, bien sûr. Parce que je me suis dit, bon, allez, on va partir sur ça, même si c'était pas la série que je préférais. Bon, après, on va regarder ensemble qu'est-ce que nous propose la série. Et donc, j'ai pris ça chez Micromania, et devinez ce qu'ils m'ont donné. C'est pas ce qu'ils m'ont donné qui m'a choqué, c'est le mec qui m'a dit ouais, cette carte elle vaut 10 euros. Ok, regardez la carte là, Pikachu, ça veut dire que ça est égal à 10 balles, lol. Donc sur ce, maintenant on va aller voir un peu ce que propose la série sur le site PokéCardex. Donc nous voici, nous voilà sur le site PokéCardex. Donc c'est un site qui va, comment dire, qui récapitule toutes les saisons. Donc comme vous voyez, vous avez Astre Radieux, Pokémon Go qui vient juste de s'ajouter. Star Étincelant, une très bonne série que je vais faire aussi, c'est ça que je voulais faire. Donc voilà, donc comme vous voyez, vous avez toutes les séries, donc on va aller voir un peu Astre Radieux, ce qu'il y a de beau dedans. Donc là, on a une petite V, ok. Donc là, ça, c'est les communes. Petite V Max, un petit Staros en V, ok. Petit Palkia V, ouh, Palkia là, il est pas mal, il est intéressant celui-là. Petit Lucario V, ouh, Darkrai, oh là là, regardez-moi celle-ci là. Oh là là, celle-ci, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Karchakrok, bon c'est pas terrible ça, Karchakrok, lol. Qui veut Karchakrok? C'est vraiment belle cela. Vous savez comment ça s'appelle? Bah dites-le moi dans les commentaires, hein, parce que je sais plus du tout. Donc là on a les dresseurs, et là on a les dresseurs en arc-en-ciel, et des Pokémon, et là on a les gold. Ah ouais les gold, et ceux-là c'est les plus belles. Oh là 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 là. En termes d'illustration pour cette série, franchement, ça va. C'est pas une série qui me hype le plus, mais juste pour ça, c'est quand même pas mal. Hein. On verra un peu le taux de drop, hein, en une TB, j'espère au moins avoir quelque chose. Comme dans cette TB, il y a 8 boosters, on va faire la vidéo en deux parties. Donc dans cette vidéo on va en ouvrir 4, donc on va les prendre au hasard, et je ferai une deuxième partie où je vais ouvrir les autres bien sûr. Donc sur ce les amis, on est parti pour l'opening, let's go. Comme je vous ai montré, voici la petite carte Pikachu. Donc la voici, la voilà, petite carte Pikachu, hein. Donc voilà, spécial Pokémon Go. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à l'ETB Astre Radieux. Donc là on a le petit livret. Donc il y a... Dessus, il y a vraiment de tout, hein. On voit toutes les cartes. Donc ce qu'on a regardé tout à l'heure sur le site PokéCardex. Donc en gros, tout ce qu'on a regardé, on le retrouve directement sur ce cahier, quoi. Voici la belle ETB. Dedans, on a le petit manuel de jeu. Alors après, on a les petits dés. Non, c'est un rouge-rose, hein. C'est rouge-rose, ouais, c'est... Ouais, c'est ça. Ça, c'est les petits jetons pour pouvoir jouer. Après, nous avons le petit jeton. Ouais, c'est truc Vesta. Donc, ça, c'est pour jouer au jeu Pokémon aussi. Après, nous avons les petites sleeves Darkrai. Donc, franchement, ils sont pas mal. Les petites énergies. Les séparateurs de deck. Et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters. Donc, comme je vous ai dit, on va en sélectionner 4 et on va faire les 4 autres dans une deuxième partie. Donc, alors ici, on a quoi comme illustration? Hop, on va essayer de les trier. Donc, on en a deux comme ça. Ah, ok, on a vraiment des illustrations vraiment différentes. On n'a pas vraiment deux de chaque. Donc, je propose qu'on fasse 1, 2, 3 et 4. Et cela, on les garde pour une prochaine vidéo, donc une deuxième partie. Donc aussi, dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, si vous en voulez d'autres, etc. Donc voilà, donc on est parti. On va faire un petit pique-nique-douille. Pique-nique-douille, je te choisis. Allez hop, allez, prions le Seigneur, let's go. J'espère avoir quelque chose de bien et j'espère pas spoiler dès le début la carte de la fin. Si j'arrive à l'ouvrir, hop là, c'est dans ce sens-là. Let's go. Je sais pas si ça spoil avec les codes. J'éloigne 2 secondes des autres boosters parce que je suis capable de les ouvrir. Alors le petit code, je le garde parce que je fais les petits decks en ligne. C'est pas que je suis radin, bon un peu quand même, mais moi j'ai envie de faire mon deck en ligne. Et oui. Alors on est parti, donc on fait le petit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
En plus, quand pour les gens qui ont regardé l'autre vidéo, moi je faisais 1, 2, 3, 4, 1, 2, mais c'est un truc à embrouiller de ouf. Voilà, je me suis un peu renseigné, 1, 2, 3, 4, c'est suffisant. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo, bah, n'hésitez pas à aller la voir. Je vais mettre dans le petit i en haut à droite ou à gauche, je sais plus du tout, mais bref, je vais le mettre là, n'hésitez pas à aller la voir. Allez, on est parti, let's go. Donc là, on commence avec énergie haut. Kranidos. Yanmega. Mateloutre. Barloche. Un sécateur. Ok, petit beau gosse. Evoli. Oh, c'est stylé ça. Oh, eh, franchement, Starkey. Eh, vous avez vu ou pas? Vous avez vu? Eh, Starkey. Oh là là, eh, moi je suis pas un youtubeur carte Pokémon, hein, moi je vous le dis. Hein. Oh, wow, j'ai du mal, je crois que j'ai quelque chose, gros. Eh ouais, j'ai quelque chose. Evoli. Mais je suis vraiment nul. Vous avez encore vu. Allez, Carino. Damanta. Brindibou en reverse. Pouh! Pouh! Oh my god! Palkia, gros! Palkia! Palkia V-Star! Pololo! Pololo, qu'est-ce qu'il y a, bro? C'est une série que je voulais pas faire et comme par hasard, l'ETB qui restait chez Micromania, elle est pour moi. Et cette carte, elle est pour moi. Regardez-moi la beauté de cette carte. Eh, au final, t'as cette carte-là, tu t'en fous des autres. C'est pas possible, wesh. Oh, c'est trop stylé. Ah, yeah. Et j'ai choisi les bons boosters. Et imagine, dans les 4 autres, dans la deuxième partie, il y aura rien. Donc maintenant, on va passer au deuxième booster. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme illustration? Soit le petit Palkia, le petit Dialga, ou le Pokémon que je sais plus comment il s'appelle. Vous avez bien la preuve que les nouveaux Pokémon, je les connais pas, hein, on est d'accord. Donc on va commencer par un Pokémon que je connais pas. On va commencer par celui-là. Bah, c'est pas commencer, c'est continuer, parce que c'est quand même le deuxième booster. N'oublions pas qu'on a quand même chopé le Palkia V-Star en arc-en-ciel. Et arc-en-ciel brillant parce qu'il y a des paillettes. Et oui. Alors on y va, c'est parti pour le deuxième booster. Allez, si j'arrive à le sortir, hop, let's go. Alors le petit code, ça je le garde. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je fasse une ouverture de booster en ligne. 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est quand même mieux que 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et let's go. Wow, on commence par énergie métal. Et oui, c'est magnifique. Alors on y va. Énergie métal. Et flèche. Ok, c'est pas mal. Dresseur. Ok. Comme tu veux, dresseur, c'est pas trop mon truc, mais... Voilà, pour faire du game, ça peut être intéressant. Noirfang. Ok. J'ai eu du mal à le prononcer, celui-là. Un sécateur. Donc, c'est une autre illustration. Ok. Togepi. Oui, Togepi, le beau gosse. Apitrini. Ok. Pijako, Pijako le beau gosse, c'est le perroquet de pirate, c'est le perroquet des pirates, eh oui. Psycho-quack, quack, 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 psycho-quack. Lui c'est un beau gosse lui, lui c'est mon gâté, c'est mon gâté le psycho-quack, c'est le psycho-quack tard l'époque sur Diamant et Perle. Oh, Scalpion en reverse, oui, quel beau gosse, et... Oh, Magnezon rare en holographique. Regardez-moi comment il est beau. Wow, wow. C'est magnifique. Deuxième booster, c'est ok. Alors maintenant, troisième booster. Let's go. Alors nous avons Palkia. Non, Palkia et Dialga. Voilà. Donc, Pikneidouille, c'est toi, l'andouille. En toi, t'es l'andouille. Comme on t'a eu tout à l'heure en carte. Allez, let's go. Troisième booster. Et j'arrive à l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir, hop, ok, voilà. Oh, let's go. Bon, un code blanc, il paraît que c'est pas bon. Ça, j'aime pas trop ce système de code blanc, code noir. Je trouve pas ça terrible. Donc, hop, le petit code. Donc, on est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, go. Ok, énergie ténèbres. Je me suis encore spoilé. Ouais, ouais, ouais. Dans les commentaires, franchement, comptez combien de fois je vous spoil de la carte de la fin. C'est incredible. C'est un truc de ouf. Allez, let's go. On y va. Énergie ténèbre. Scalproix. Petit dresseur. Des familles. Fleurisson. Fleurisson. Ok, donc là, c'est ouais, c'est le Pokémon que je connaissais pas. Donc, ouais, ça, c'est son niveau 2. Ok. Chaglin. Chaglam, Chaglam, pardon, Chaglam. Yanma, ok, beau gosse, petit beau gosse Yanma. Marcacrin, ok.
Goupilou, Chlorobule. Oh! Oh! Oh merde, j'ai fait une connerie! Oh lolo lolo lolo! Cachacroc, cachacroc! Comment ça s'appelle quand c'est comme ça? Dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle. C'est une full illustration, une... Ah, je sais pas, mais elle est magnifique! Avec le petit bug, je sais pas pourquoi, on s'est tapé la rare derrière. Ah, c'est bon ça! Ça, c'est bon! Donc, maintenant, on est parti pour le dernier booster. Donc, c'est parti, let's go! On est parti pour le petit Palkia, celui qui nous a... pas porté chance, mais celui qu'on a eu dans le premier booster. Et en plus, c'est un booster... je crois que j'ai choisi un Pokémon une illustration de Pokémon que je connaissais pas. Et elle m'a bien porté chance. C'est comme à chaque vidéo, c'est toujours au premier booster que je chope un truc. Ah, attention, code blanc. Ok, donc code blanc, ça veut pas dire que t'auras rien non plus. T'auras au moins une V ou... etc. Ok, mais un code noir, c'est quand même mieux. Hein. Hop. Allez, on est parti. Let's go pour le dernier booster de cette vidéo. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ok. On commence avec du feu. Ok, d'accord. C'est parti, on y va. Let's go. Donc, énergie feu. Aquaquac. En plus, on a eu psychoquac, donc ça c'est bien, ça, on est carré. Petit dresseur, chaussures de randonnée. Ok, d'accord. Gros drive. Ok, quel beau gosse. On dirait une montgolfière, le truc. Moustillon. Oh, belle illustration. Illustration de beau gosse. Comment on dit ça? Outout. 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 Non, je sais pas. Bref. Dites-moi si j'ai bien prononcé. Krixik. Ok, Krixik, le beau gosse. Serfrous. Wouah, Serfrous. Quel beau gosse, Serfrous. Oh là 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 là, Quickfish, le beau gosse vénère. Eh mec, c'est un mec vénère. Lui, faut pas le faire chier. Lui, moi je vous le dis, faut pas le faire chier. Lui, c'est. En gros, c'est le mec à la cantine quand tu lui piques son dessert. Le mec, il est comme ça. Oh! Popopo! Givrali! Oh là 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 là, j'adore ce Pokémon. Ah ouais, la carte, c'est pas une carte de ouf. Hein, c'est juste une carte rare. Hein, c'est pas un truc de ouf. Mais j'adore Givrali. Oh là 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 là. Et après, on a. Ok, d'accord. Hachécateur, ok, donc on finit avec un petit Hachécateur, on commence fort, on finit tranquille, d'accord, c'est super cool. Donc voilà, on a ouvert les 4 boosters, donc maintenant on va faire un petit résumé de ce qu'on a droppé, de ce qu'on a eu. Donc, alors, on va commencer par le plus fort, le plus beau, le plus magistral. Ah, elle est là, regardez-moi ça. Alors on a eu le petit Palkia V-Star en arc-en-ciel, on a eu le petit Cachacroc V. Donc on l'a eu, si je me souviens bien, au deuxième booster. Au troisième booster, on a eu... Bon, c'est rien de spécial, mais à mes yeux, c'est un super bon Pokémon. Et super beau, super classe et tout. C'est beau gosse. Le petit Givrali. Et au dernier booster, on s'est tapé du caca de cheval. Si je le retrouve, le Hachécateur en rare. Donc le résumé de la vidéo, en gros, c'est Palkia et Cachacroc V. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère... qu'elle vous aura plu. Donc c'est la première partie de l'ouverture de l'ETB Astre Radio. Donc comme quoi, je voulais pas ouvrir cette série en priorité, mais j'ai une chatte de ouf. Comme à l'ouverture précédente sur ma chaîne YouTube, au premier booster, bam, ça tombe, le Palkia, voilà, tranquille, des familles. Donc j'espère qu'à la deuxième partie, on aura quand même quelque chose, on aura des surprises, que vous serez au rendez-vous pour la deuxième partie de cette ETB Astre Radio. Franchement, moi je suis trop chaud à faire ce type de vidéo, franchement je prends un plaisir de ouf à ouvrir des cartes Pokémon. Ça me rappelle tard l'époque, quand j'avais 12, 13, 14 ans, où j'ouvrais des cartes Pokémon, donc bon, on voit bien que ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de booster, je galère à ouvrir le booster. Même les noms de Pokémon, vous avez vu, je connais les anciens, jusqu'à la génération 7, 8 à peu près, mais après les autres... Quand tu vois qu'il y a un Pokémon, c'est un trousseau de clés, il y a des questions à se poser, hein. Moi, je vous le dis. Pour les autres ouvertures, bien sûr, je ferai les autres séries de cartes Pokémon. Et dites-moi, quel type de série vous voudrez voir en ouverture de cartes Pokémon? Pour Infusion Pokémon Go, maintenant qu'elle est sortie. Pour ceux qui regardent cette vidéo et que la partie 2 est déjà sortie, le lien sera dans la description. Allez, bisous. Et sur ce, les amis, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.